Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture tarot flash pour pour tout le monde. Tous les signes sont les bienvenus dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur mon channel, Tarot Flash, c'est une lecture très rapide. Il n'y a pas de suite sur Vimeo pour cette lecture. Les messages sont en parabole. Vous prenez ce qui résonne avec vous, vous jetez le reste. Ok. N'oubliez surtout pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Alright? Merci beaucoup pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à mon channel et à cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Merci beaucoup de partager mes vidéos as well et de parler de moi. Thank you. Ok. Je suis tellement à l'aise dans le fauteuil là. Vous n'avez pas idée quoi. Oh non, pardon. Je suis trop à l'aise. L'essentiel, c'est pas de me regarder, c'est de m'écouter. Donc je peux m'asseoir où je veux. Je peux même me coucher si j'en ai envie. Je veux bien m'asseoir, pardonnez. Anyway, bref. Une parenthèse sans importance. On y va. Voyons voir ce qui se passe ici avec vous. Ok. Oui, c'est une partie d'entre vous. Je vois ici quelqu'un qui s'apprête à voyager. Il est probable que vous voulez voyager. Je vois ici une personne qui veut voyager. Je vois ici une personne qui veut aller en tourisme quelque part. Ce n'est pas réellement un déménagement, c'est carrément un tourisme. Oui, c'est une partie d'entre vous. Je vois ici une personne qui a envie d'aller en voyage à l'international. Il est probable que vous soyez ici en préparatif, quoi. C'est préparatif, préparation, je ne sais pas comment on parle tout ça là. Il est probable que vous soyez ici en train de vous préparer pour faire un voyage touristique. Here. C'est peut-être un voyage que vous voulez faire pour votre anniversaire. C'est peut-être un voyage ici que vous voulez faire pour vous changer d'air. Mais je vois ici un voyage en avion. Oh. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est probable que ce voyage que vous voulez faire, c'est juste imaginaire. Vous avez envie de voyager, mais vous n'avez pas d'argent pour le faire. Et vous êtes donc ici coincé chez vous à la maison, ou encore vous êtes coincé dans votre quartier. Vous êtes peut-être ici coincé dans votre quartier. Avec les mêmes personnes, les mêmes têtes, tous les jours, c'est les mêmes personnes qui viennent vous dire bonjour. Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous avez l'impression que votre travail ne vous donnera jamais assez d'argent pour faire ce voyage-là que vous avez envie de faire. J'ai même l'impression que vous voulez voyager seul. Here. On a ici quelqu'un qui a envie de s'évader, qui a envie de voyager seul. Diamond, stop leaking. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous avez envie de... Vous attendez la visite d'une personne, vous espérez qu'une personne vienne vous rendre visite, il est probable que ce voyage-là soit annulé.
On a ici quelqu'un qui ne voit pas l'intérêt de voyager pour venir vous voir. Ou encore, on a ici quelqu'un qui ne voit pas l'intérêt de vous recevoir pendant un voyage. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que vous ayez ici un partenaire qui voudrait voyager pour vous rendre visite afin de pouvoir se réconcilier avec vous. Mais ce n'est pas une réconciliation que vous attendez, ce n'est pas une réconciliation que vous espérez anymore. Je vois ici quelqu'un qui... Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que vous avez envie de voyager à Zoua pour renouveler votre passeport. Donc, si vous êtes par exemple à l'étranger et que votre passeport est sur le point d'expirer, il est probable que vous voulez voyager pour renouveler votre passeport. À Zoua. Mais pour certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression que vous n'aurez pas besoin de renouveler votre passeport parce qu'on a ici une situation qui risque de changer le déroulement de votre destinée. Je vois ici une mère célibataire qui est sur le point de se marier avec quelqu'un qui est officier ou encore se marier ici avec quelqu'un qui travaille dans la justice. Ou quelqu'un qui travaille dans le droit, et peut-être un militaire. Oui, c'est une partie d'entre vous. C'est peut-être vous en tant que tel, si vous êtes mère célibataire, c'est peut-être vous ici qui travaillez ici au service du gouvernement. Donc peu importe les services, moi je vous ai dit, les énergies sont interchangeables. À vous de catégoriser le travail que vous faites. Même quand on travaille ici dans une entreprise de taxes, les taxes, c'est quelque chose qui est relié au gouvernement. Je ne sais pas si vous me suivez, d'accord? Et ce n'est pas mon rôle ici de venir vous expliquer comment déchiffrer mes messages. J'ai déjà assez de travail comme ça pour vous les donner. So, pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous attendez de renouveler certains documents, ou encore vous espérez ici recevoir une certaine assistance dans vos finances, mais tout est dans la main du gouvernement. Je vois ici le gouvernement vous donner, approuver vos documents, vous donner l'assistance dont vous avez besoin. Here. Pour une partie d'entre vous, je vois ici une femme enceinte qui espère donner naissance à son enfant dans un pays étranger pour que son enfant ait la nationalité, peut-être la nationalité française, parce que je vois ici le bleu et le rouge. Et on a cette femme qui va bientôt accoucher et qui va pouvoir donner la nationalité à son enfant. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que si vous êtes ici dans une situation où vous attendez, vous avez l'impression que c'est le moment pour vous de que c'est le moment pour vous de renouveler certains documents en particulier. Vous n'aurez plus besoin de renouveler ces documents-là parce que vous allez recevoir ici d'autres documents qui vont vous permettre de faire un échange. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici à la recherche d'un travail à l'étranger, il est probable que vous recevez le travail dont vous avez besoin. Il est probable que vous ne pouvez pas voyager tant que vous n'avez pas ici reçu une demande d'emploi de l'étranger. Et on a ici une entreprise qui va carrément accepter de vous donner un emploi et ça va vous permettre ici de voyager. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici marié et que vous avez trouvé un travail à l'étranger, il est probable que vous allez devoir laisser votre mari derrière vous pour partir à l'étranger avec les enfants. Hi angels, please clarify card 37. Thank you so much. Pour
Oui, c'est un parti dans vous. On a ici quelqu'un qui a l'impression que le temps passe trop vite par rapport à un voyage. Comment expliquer ces cartes-là? Donnez-moi une seconde. Je vois ici quelqu'un qui est un peu perdu en rapport à une situation qui est reliée à un voyage, ok? Et puis c'est un parti dans vous. Il est probable que vous attendez depuis très longtemps une opportunité qui va vous permettre de voyager. Mais cette opportunité prend du temps. J'ai l'impression qu'il ne vous reste que 2 mois à attendre. Parce que c'est une situation ici qui est en rapport avec des documents. Vous n'avez qu'à attendre que 2 mois. Après 2 mois, une situation risque de prendre fin. Après 2 mois, vous risquez ici d'avoir on dit quoi, l'approbation, non? Moi, je sais pas si c'est français ça. L'approbation ici pour certains documents qui sont en rapport à une relocalisation. Angels, please clarify card 16. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous ayez déjà ici envoyé certains documents en particulier et les documents sont sous analyse. Je vois ici celui qui est. Je vois ici la personne qui est en train de lire les documents que vous lui avez envoyés. On a cette personne ici qui est en train de réfléchir. Si cette personne ne vous a pas encore appelé ou si cette personne ne vous a pas encore envoyé une réponse. C'est parce que cette personne est en train de réfléchir, cette personne est en train de penser, mais on a déjà ici quelqu'un qui a envie de vous donner un document, envie de vous donner des papiers. Mais il est probable que cette personne prenne son temps avant de vous écrire ou avant de vous demander de venir chercher le document dont vous avez besoin. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici sur le point de relocaliser, il est probable que vous allez carrément devoir laisser tomber votre famille derrière vous. Je vois ici quelqu'un qui ne pourra plus retourner dans son pays d'origine pendant 5 ans. On a ici quelqu'un qui va carrément être séparé de sa famille pendant 5 ans avant de pouvoir retourner chez lui. Oui, c'est une partie dans vous, c'est un gros sacrifice que vous voulez faire. Et c'est en rapport avec des dossiers, des documents. Here. I am just please clarify card number one. Pour une autre partie d'entre vous, si vous n'êtes pas marié, vous êtes carrément célibataire. Et vous essayez du mieux que vous pouvez de prendre le taureau par les cornes concernant votre vie financière, votre vie professionnelle, ou encore concernant, un boulot, un business que vous voulez ouvrir pour pouvoir vous occuper de vos enfants, pour pouvoir vous occuper peut-être de votre femme que vous avez laissée quelque part d'autre. Oui, c'est un parti dans vous. Si vous vous inquiétez pour vos finances, on a les anges ici qui voudraient que vous ne vous inquiétez plus. Parce que vous aurez en abondance ce que vous avez perdu. Si vous êtes ici capable de tenir 2 mois de plus à attendre, vous allez gagner le double de votre salaire, vous allez gagner en abondance. Je ne sais pas c'est qui ici qui sera capable de faire environ 6. Peut-être 6 000, 6 000, 6 000 euros le mois ou encore 6 000 euros chaque 2 mois. Moi, je sais pas. Je vois ici le chiffre 6. Hein. Here. Oui, c'est un parti d'entre vous. Si vous vous inquiétez pour vos dettes, je vois ici vos dettes qui vont carrément être remboursées. Mais ça va vous demander beaucoup d'efforts. Ça va vous demander beaucoup de travail. Mais j'ai l'impression que ce qui va vous énerver le plus, c'est la patience. Parce qu'il y a quelque chose ici que vous devez attendre. Et vous allez devoir être patient. Beaucoup plus patient que prévu. Et c'est cette patience-là que
qui risque de vous créer un peu de problèmes parce que pour certaines parties, donc vous êtes ici dans une impasse. Vous n'êtes pas sûr que vous pouvez encore patienter 2 mois. Vous n'êtes pas sûr que vous pouvez continuer de vivre comme vous vivez pendant 2 mois. Mais on a les anges qui voudraient vous rassurer, qu'ils vous protègent et qu'ils sont auprès de vous pour vous garder. Vous ne devez pas avoir peur de quoi que ce soit. Ok? Voyons voir si je peux avoir une carte des anges ici pour terminer cette lecture. Oui, parce que je suis fatiguée. Ah, je suis fatiguée? Je m'arrête. Si vous voulez une consultation avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est juste en bas. Voyons voir ici une carte des anges pour vous. I just please give me one card. Yeah, thank you so much. Je savais. On a les anges ici qui disent que la chance est de votre côté. La chance est de votre côté. Ce n'est pas le moment pour vous d'avoir peur. Parce que la fin d'un cycle très périlleux est sur le point de se terminer. Voilà pourquoi j'aime les cartes, j'aime les tarots. Je sais pas, c'est vraiment très facile à lire. Moi, je sais pas. C'est facile à comprendre, c'est facile à lire. Quand tu es connecté aux anges, tu comprends tout ce que tu racontes. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est... Cancer, poisson, tous les signes sont ici. Hein? Tous les signes. Mais je vois plus taureau, vierge, dans taureau, vierge, Verseau, Cancer, Poisson, Scorpion, Bélier, Lion, Sagittaire. C'est eux que je vois principalement ici, mais tous les signes sont here. D'accord? Bisous et bye bye.